L'antenne du Secours Populaire d'Algrange organisait il y a peu sa distribution de collecte de denrées alimentaires dans ses locaux, distribution qui a lieu deux fois par mois. Et pour cette distribution, l'équipe de bénévoles du Secours Populaire d'Algrange furent épaulées par la classe de seconde STI du lycée professionnel Sadazon-Paul d'Algrange. Le Secours Populaire d'Algrange aujourd'hui fait une distribution d'alimentation pour les nécessiteux qui ont le plus besoin. On a 110 familles. On a 110 familles qu'on leur donne. Donc cette fois-ci, maintenant, on fait même deux fois par mois les distributions alimentaires. Je suis vraiment heureuse quand même que j'ai quand même des jeunes qui viennent quand même me donner un coup de main, qui sont là, évidemment. Et puis on a mis avec l'école de Saint-Vincent-de-Paul. Aujourd'hui, elles vont venir pour apprendre de voir comment qu'on fonctionne. Donc lycée Saint-Vincent-de-Paul, voilà, donc nous sommes venus avec une classe aujourd'hui, il s'agit des secondes STI, voilà, de notre lycée, et qui ont demandé de s'investir auprès des personnes nécessiteuses. Aujourd'hui, on est aussi au centre populaire d'Algrange pour aider les personnes défavorisées. On vient leur apporter un peu de bonheur en leur distribuant de la nourriture, et c'est quelque chose de très important pour notre lycée, donc on veut participer et les aider. La classe de seconde STI du lycée professionnel, qui n'en est d'ailleurs pas à sa première action de solidarité, s'était scindée en deux groupes pour se répartir en alternance les différentes tâches, à savoir assurer le service en boissons et pâtisseries aux familles bénéficiaires du Secours Populaire, pâtisseries qu'ils avaient d'ailleurs ramenées eux-mêmes, réceptionner les différentes listes des denrées par famille et bien sûr préparer les colis et les sachets. Donc ils avaient envie d'aider tout simplement parce qu'on a déjà participé à une action avec eux à la maison de retraite Le Belvédère. C'était aussi voir les personnes âgées à la maison de retraite d'Algrange. On a été leur chanter des chants de Noël, on a partagé des moments avec eux, on leur a distribué des chocolats. Donc ils étaient demandeurs, c'est pour ça qu'on a choisi le Secours Populaire. Et donc on a acheté des gâteaux, des boissons et les élèves vont offrir un petit goûter à ces personnes et puis participer à la distribution des colis. On reste dans l'esprit vincentien de l'établissement, hein, Saint-Vincent-de-Paul, et toutes nos actions sont toujours tournées vers l'autre, hein, comme le voulait Saint-Vincent-de-Paul. Et l'autre, c'est celui qui est près de chez nous, et c'est celui qui est au Secours Populaire d'Algrange. Donc on a tout au long de l'année plusieurs actions, que ce soit les Restos du Cœur, les gens qui viennent se faire coiffer dans l'école, les personnes âgées du Belvédère avec qui on partage le moment de Noël. On est assez axé sur le partage et puis la rencontre, hein, que les élèves rencontrent un petit peu. C'est important d'aider les personnes, qui n'ont pas les mêmes moyens que nous, enfin, qui sont dans des situations plus difficiles. Alors c'est important. Prochaine opération solidaire à laquelle le lycée professionnel prendra part sera une collecte de produits d'hygiène et soins petite enfance d'ici la fin de l'année au profit du Secours Populaire d'Algrange. La suite, donc, il a été convenu avec notre directeur, M. Frédéric de Ravinel, de faire une collecte pour ces personnes. Donc certainement avant Noël, des produits pour les enfants, voilà, de première hygiène, voilà, des produits d'hygiène pour les enfants.